Hi Mina, c'est Q-chan, et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Final Fantasy 2 et je vous retrouve à Altaïr et non plus là où j'étais la dernière fois puisque j'étais au Colisée et nous avions libéré Hilda de l'emprise de l'empereur, hein, tout simplement, qui voulait la vendre au vainqueur du tournoi. Donc on a sauvé Hilda et je suis revenue à Altaïr en off afin de gagner quelques précieuses secondes, quelques précieuses minutes, hein, voilà. Et ben on va aller voir ce qui se passe là-bas. Tiens, bonjour toi. L'armée rebelle est en marche. Notre première action sera de reprendre Castelfine. Le prince Gordon et la princesse Hilda ont établi un campement près de Fine. Allez-y vite si vous voulez les aider. Ok. Donc il est temps de reprendre Castelfine. Heure. Je prends la rivière pour économiser du temps et des combats. Ah mais il y a le campement. Parfait. Firion, Maria, Guy, je vous dois la vie. J'ai appris que c'est également vous qui avez pris le cuirassé. Je ne sais comment vous remercier. Ok. C'est vous qui allez constituer le cœur de notre attaque. Pendant que nous repousserons les forces de l'Empire, vous vous glisserez dans le château. Ok. Eh ben, en route alors. Dégage, dégage. Au final, je n'ai pas recommencé la partie pour déséquiper Layla. Pourquoi? Parce qu'elle va me rejoindre ici. Voilà. J'étais quasi sûre qu'on rejouerait avec elle. Jamais je ne vous laisserai aller dans votre territoire ennemi sans moi. Voilà. Donc Layla me rejoint à nouveau avec techniquement l'équipement que je lui avais laissé. On va vérifier ça tout de suite. C'est bien ça. Alors par contre, on va quand même tout visiter, hein, comme toujours. Le verre de ce miroir est immaculé. Je sais à quoi sert ce miroir et je pense qu'il est trop tôt. Il est trop tôt. Mais donc, comme vous le voyez, on pourra interagir avec ce miroir. Ah! Ouais! Des magies que j'utiliserai jamais! Alors, on visite tout, on sait jamais. Voyez? 1000 l'argent que j'ai, 1000 guilds, c'est rien du tout. Guilds. 1000 guilds, ouais! Non mais, comment vous dire? Comment vous dire, quoi? Ok, par là, on peut pas aller. Faudrait que je trouve un escalier qui descend. Ah! Un piège. Oh, il y a trop de monde là! Il y a des morts vivants donc. Ah! Chais! Encore? Ok, mais ça va pas durer longtemps. Ok,
Je veux même pas savoir ce que je reçois en fait, ce qui est génial. Ok, bon. Je l'ai vu, hein, vous l'avez tous vu de toute façon. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas vu les escaliers qui descendent. Bon. On aura l'occasion de revisiter le château après quand on l'aura repris, donc. Des rebelles! Ici! Où sont mes soldats? Non! C'était un piège! Ok. Cette combinaison marche bien, donc on continue. Ha! Encore un boss qui m'a pas touché, quoi. Y'a aucun boss qui me touche. Ah, c'est génial. Je me fais plus toucher par les petits mobs que par les boss. Vous avez évacué le commandant ennemi. Eh ben, on a repris Castlefin. Ça a été rapide. Enfin, quel genre de retour ici! Nous n'aurions jamais réussi sans unir nos forces. Je vous remercie tous du fond du cœur. Vous avez rien fait, c'est moi qui ai tout fait. Ok, d'accord. Ah, zut. Attendez, je recommence. Je recommence. Malgré tout, il y a encore une chose qui me chagrine. Minou ne nous a donné aucune nouvelle depuis qu'il est parti pour Mycidia. Je suis désolée d'avoir à vous importuner maintenant, mais... Voulez-vous bien vous rendre au plus vite à Mycidia? Alors, apprendre. Voilà. Demandez. Mycidia est une terre de mages. Leur soutien nous serait d'un grand secours pour vaincre l'empereur. On raconte qu'un fameux sort considéré comme la magie ultime repose dans la tour de Mycidia. Pour l'obtenir, il faut posséder deux masques. Ok, apprendre. Demandez. Le masque blanc se trouve ici même, dans ce château. Pour l'atteindre, il faut passer par une porte qui mène à un souterrain. La porte ne s'ouvre qu'au son d'une très vieille formule magique. Ekmet Telos. Bah, apprendre. Demandez. Je suis désolée, mais je ne connais pas le placement exact de la porte. Ah bah, tu m'aides beaucoup, là, par contre. Nous n'aurions jamais pu reprendre Castlefin sans votre aide. Cela dit, il nous reste encore un problème. Minou est toujours pas rentré. Accepteriez-vous de vous rendre à Finn afin de le retrouver? Alors, attendez. Demandez, Mycidia. On raconte que la tour de Mycidia abrite le livre qui recèle les secrets de la magie ultime. Cet ouvrage est connu sous le nom de Tome Ultima. Ok, encore un truc. Tome Ultima. Je suis sûr qu'il pourrait grandement nous aider dans notre combat contre l'Empire. Ouais, si on l'entraîne, parce que c'est comme n'importe quelle magie, j'ai envie de dire. Un masque, il connaît pas, et Ekmet Telos. Maintenant que le roi n'est plus là, c'est Hilda qui connaît le mieux ce château. Si elle ne peut pas vous répondre... Ah si, peut-être que Paul pourrait savoir quelque chose. Il prétend bien être le plus grand voleur du monde, non? Il est où, Paul? Bon, l'avantage, j'attends, c'est qu'il n'y a plus d'ennemis. La question, c'est, il est où, ce Paul, maintenant? Parce que, vous voyez, en fait, il y a une porte, là, mais je sais pas comment l'atteindre. Parce que dès qu'on arrive là, on sort. Peut-être que Paul est, maintenant que Finn est sauvé, peut-être qu'il est à la... Peut-être qu'il est au bar. Attendez. Ah oui, c'est vrai que le bar, il est à l'extérieur, attendez. Ça aussi, j'ai du mal à comprendre l'architecture du truc, hein, le pub qui est dans l'extérieur des murs. Hein. Que dalle, y a personne. Alors, la grande question, c'est où est Paul? À moins qu'il soit toujours à Altaïr, parce que j'aurais du mal à comprendre personnellement, mais bon. Ah bah, il est là. Firion, vieux brigand, comment allez-vous? Masque? Non. Ah! Si vous voulez en savoir plus sur la porte secrète de Castlefin, je suis votre homme! Au fait, je me demandais, vous savez ce qui se cache derrière? Le masque blanc? M'attendais à mieux. Non, ça m'intéresse pas, alors je vais vous dire où se trouve la porte. Allez jeter un coup d'œil dans le coin de la salle d'audience sur la droite du trône. Ah, mais dites-moi, vous questionnez les masques pour quoi faire au juste? D'accord, ok. Donc il a dit la salle du trône.
J'ai encore un petit peu de temps, donc on va y aller tout de suite. Tac. Surtout que maintenant que le château de Fine n'est plus hanté par les monstres. Donc il a dit à la droite du trône. Ah! Vous ne remarquez rien de spécial. Demandez. Il y a un renfoncement dans le mur. C'est une porte secrète. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des ennemis ici? Peut-être pas. Je sais pas. Ah, ici, il y aura peut-être des ennemis par contre. Je confirme qu'il y a des ennemis. Par contre, attendez, parce que... Non, bon, peu importe. Alors pareil, ça va être très labyrinthique, hein. Je vais quand pas savoir où je vais. Attendez. Il y a peut-être des coffres en bas. Oh, une porte. Comme c'est surprenant, il n'y a rien dedans. Je m'entête avec les portes, on sait jamais, hein. Des fois, il y a des trucs. Un troll. En fait, on dirait qu'il y a un renfoncement là. Ah, l'escalier. Comme c'est surprenant, un troll. Par contre, il y a l'escalier, mais d'autres coffres quelque part. Désolé, vous me connaissez, j'aime bien explorer. Hein. Et ben voilà. Comme c'est surprenant, un troll! Ça va devenir un mème, ce truc. Encore un troll? Le problème, c'est qu'un jour, on n'ira pas dans les portes et on ratera des coffres, quoi. Eh bah, toujours un troll. L'escalier est là, je disais. Et il y a un coffre ici. Ok. J'espère quand même que le donjon est pas trop long. Quoi qu'avec le montage, la vidéo va être courte, hein. Mais bon. Techniquement, niveau tournage, je suis toujours dans les temps. Ah, un piège. Des zombies. Bah écoutez, hop. Ça va aller vite. Au revoir. Je suis surprise. Un troll. J'ai vu un coffre en bas. Et je suis sûre qu'à un moment donné, il y aura une porte qui va... Eh ben, c'est toujours pas celle-là. On obtient des armures. Je disais, on obtient des armures qui protègent du feu, par contre. On n'est pas encore arrivé, par contre. Hein. On doit y être bientôt, je pense. Ça, c'est sûrement une arme, c'est sûrement un poignard. Oh! Ça, c'est sûrement une espèce de chimère zombie. Ou empoisonné. Mais ça marche, le feu. Putain, celle-là. Raté. Celle-là.
Raté. Ah, trouvé. Et vous obtenez le masque blanc. Oh, un téléporteur. Et ben voilà, ben je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos. Et moi, je vous dis ciao tout le monde!